Bonjour chers compatriotes, bonjour chers camarades panafricanistes et panafricains, bonjour chers compatriotes congolais, amis du Congo. Ici les camarades Zorobilel Ingeta Solarien, depuis la cloison de Berlin, connue sous le nom de la République à démocratiser du Congo et de son vrai nom, l'État indépendant du Congo. Vous me permettez de faire cette vidéo histoire de mobiliser tous les amis du Congo, de mobiliser tous les panafricanistes et panafricains qui luttent pour la libération de la République à démocratiser du Congo, qui luttent pour que la justice soit faite par rapport au génocide bantou actuel qu'est subi la population de cette partie du bassin du Congo. En effet, chers camarades, chers amis, chers compatriotes, j'ai fait cette vidéo pour vous demander le soutien massif et total à notre frère Charles Onana, qui est aujourd'hui accusé par quelques groupuscules rwandais et quelques organisations françaises des négationnistes par rapport à la situation et aux dénonciations qu'il fait en ce qui concerne les génocides bantous actuels en République à démocratiser du Congo. Pour ce faire, notre camarade, notre frère et ami Charles Onana est convoqué au tribunal judiciaire de Paris le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 octobre 2024. Nous devons être massivement présents dans ce tribunal pour montrer à ces organismes et organisations qui essaient de bâillonner, de mettre au silence notre frère Charles Onana, qui en a pondu des livres depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, dénonçant la situation du génocide bantou actuel au Congo et surtout accusant nommément et directement les responsables, tant nationaux, tant régionaux qu'internationaux, qui sont liés directement ou indirectement au génocide bantou actuel. Voilà pourquoi moi, Zorobilel Ingeta Solarien, membre du bataillon Front Populaire et un des visages de la résistance bantou Congo, connu par tout le monde, j'ai fait cette vidéo de mobilisation les 7, les 8, les 9, les 10 et les 11 octobre. Nous soyons massivement au tribunal judiciaire de Paris pour soutenir notre frère Charles Onana. Le programme vous sera présenté amplement avec les plus petits détails dans les jours qui vont venir. Mais dès l'instant où vous écoutez ces messages, prenez ces 4 jours-là de manière à ce que nous puissions être présents pour soutenir Charles Onana, qui est un des camarades panafricains et panafricanistes qui dit à haute voix les problèmes de la République à démocratiser du Congo, à l'occurrence les génocides bantous actuels. Il est l'un de ceux qui ne sont pas de ces territoires-là, mais qui dénoncent à haute voix, malgré les silences assourdissants de la communauté internationale, de l'Occident et leur avatar qui dirige dans nos cloisons de Berlin, territoire que vous appelez les pays en Afrique. Je vous donne rendez-vous les 7, les 8, les 9, les 10 et les 11 octobre au tribunal judiciaire de Paris pour soutenir notre frère Charles Onana. C'était les camarades Zorobilel Ingeta du bataillon Front Populaire depuis la cloison de Berlin, connue comme étant la République à démocratiser du Congo et de son vrai nom, son nom de naissance, État indépendant. Fonds populaire, respect dans le haut du chapeau. Respect dans le bâton fonds populaire.